Graveyard Shift, un jeu qui vient de sortir là, il y a quelques jours, qui m'a tapé dans l'œil, pas forcément, mais qui a l'air sympathique, on va dire ça comme ça. C'est vendu sur Steam à 6,89€, le chat est chaud et le beat est bon. Graveyard Shift, c'est apparemment un jeu où on devient gardien d'un cimetière. Évidemment, il se passe des choses paranormales, super normales, incroyables. Le jeu est malheureusement qu'en anglais, mais t'inquiète pas, le traducteur est de sortie. C'est un jeu qui me semble est fait sous l'Unreal Engine. Eh ben écoutez, on va découvrir ça tout de suite. J'y vais complètement à l'aveugle. Ça dure, je crois, 1h30, un truc comme ça. Let's go, baby. Évidemment, si jamais tu veux voir tout ça en live, tu nous rejoins sur Twitch. T'as le lien dans la description. J'espère qu'il sera bien. Vous me direz, chat, au niveau du son du jeu, Dark Phobia Games. Alors j'ai checké Dark Phobia, j'ai pas trouvé d'autres jeux. Donc écoute, c'est peut-être leur premier jeu. Aucune idée. Merci beaucoup. C'est assez, assez joli. Pour l'instant, l'ambiance a l'air cool. Nous sommes en décembre 95. Ok, c'est moi qui joue. Attends, la cin... C'est moi ou la cinématique était plus jolie que le jeu? Ok, je peux courir. Y a un côté pixel, non? Quand tu te rapproches... Écoute. C'est dommage parce que le jeu, en vrai, il a l'air... Ok. Ouais, regarde la tête du mec. Regarde sa tête. Tu vois le côté un peu pixel dont je te parle? C'est dommage. Le jeu est à fond, hein. Je l'ai mis à fond, à fond, à fond. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Whispering Winds, Grévoire. Donc, ça, les vents qui murmurent. Depuis 1907. Ok. Bonjour, mon père. I'm glad to see you. And I'm sure we've hired a great guardian. Il y a du doublage. Excellent. Je suis heureux de vous voir et je suis sûr que nous avons embauché un excellent gardien. I know that during the first few nights, je sais que les premières nuits, vous ne vous sentirez peut-être pas à l'aise dans cet endroit et vous aurez peut-être un peu peur. Mais vous vous habituerez vite. Ah oui, il n'y a pas d'animation, la bouche. Je viens de tilter. Ce cimetière est l'endroit le plus paisible la nuit. Vous apprécierez la tranquillité et le silence de cet endroit. Okay. Allez chez Johnny pour obtenir tous les détails. Ok. J'ai un inventaire sur tab. Oh, c'est fait avec l'Horror Engine. Ok. On connaît hein, cette interface classique. C'est quoi cette carte? C'est un gamin qui a dessiné. Ok. Ok, ok, ok. Ils ont planté un crucifix dans la bagnole. Merci beaucoup, mademoiselle Lily. Merci énormément. Merci beaucoup, bonne fête à toi. Ok. Alors, j'espère que c'est pas un jeu fini à au pipi quand même. Hein. Ok, donc là, on a une sorte de trappe. Écoutez, le jeu tourne bien. Ça, c'est cool. L'ambiance est assez stylée. Oula. Oh, la laitière! Oh, me dis pas que c'est un jeu qui recycle plein d'assets qu'on a connus dans tous les sens. Ce qui est pas dérangeant, mais... Ok, allons voir ici. Donc là, on serait où? Là, c'est fermé. Est-ce que j'ai une map? Quand j'appuie sur M, ça m'épose. Ok. Donc là, on serait... J'arrive pas à me repérer. Dissection Hall? Peut-être. Dissection Hall. Bah, let's go.
C'est dommage, c'était fait un peu pixel là. Oula, vous êtes qui vous? Bonjour? Oula, vous avez un souci vous? Ok, ouais, on va vous laisser tranquille monsieur. Ok. Ah, je peux pas. Je peux pas avancer, il y a un mur invisible. D'accord, ça commence bien. Comment tu vas Mimi Wong, merci beaucoup pour le 16e mois. Attends, mais il sort d'où ce mur invisible? Attends, là je passe. Là je passe pas. Allô? Ok, bon, on va dire que c'est un bug. On va dire que c'est un bug. Alors, est-ce que je peux rentrer? Je peux pas rentrer. Ça va chat, le son, le stream, tout ça, ça bug pas? On est bon? Ah, attendez, ça doit être lui. Donc là, on est derrière l'église. Donc on est dans la security room. Vous voyez, juste là. Ok. Bonjour. Ah, attendez, ça a l'air d'être quelqu'un d'important, ça. Bonjour, monsieur. You must be the new night shift guard. You should know that guarding the cemetery isn't easy. Est-ce que vous voulez que je vous lise les sous-titres ou ça va? The cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Ok. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Donc, et je sais pas si c'est un jeu des différences, à l'Observation Duty serait stylé en vrai dans un cimetière. Pourquoi pas? Merci beaucoup pour les bits S3. Tonight, the cemetery has three guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Okay. There's something very important that the priest told me not to tell you, but I'll share it with you. The previous night shift guard died. Le gardien de nuit précédent est mort d'une crise cardiaque et nous avons retrouvé son corps à la porte de l'église avec un teint bleuâtre et un air terrifié sur son visage. Ok. Je suis désolé quand les sous-titres sont trop grands, bah ça se marche dessus quoi. I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Ok, donc okay, ça fait plein de fois, il nous dit contacter les, vérifier les caméras, vérifier les caméras, vérifier les caméras. Ok. Ok. Et il se casse. Donc c'est-à-dire qu'ils laissent leur cimetière à un parfait inconnu. Mais je suis un professionnel. En même temps, ils connaissent El Matador. Bien sûr. Alors. Ok. Et. Peu importe si le jeu est bon ou mauvais, tu vois, au final. Je trouve que l'ambiance, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est propre, je trouve. Ok, donc attends, je fais quoi là? Attends, je vais aller voir là-bas, puis j'irai voir les caméras après. Mais ouais, il y a un petit truc, le petit brouillard, le petit machin, c'est stylé. Si c'est un asset, je le connais pas, mais il est très joli. Ok, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est que cette petite cabane, du coup? C'est la warehouse. Okay. Ouais, je sais pas pourquoi, ils ont fait des doublages, mais ils n'ont pas fait de l'animation de la bouche. Lui, il est toujours là. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette tombe? Elle est spéciale pour toi? On voit pas ce qu'il y a écrit dessus. Ça se trouve, c'est un random hein, qui connaît pas. Alors, attendez. Je vais aller voir cette histoire de caméra. C'était où? C'était là. Tu l'as payé combien? Bah le prix qui coûte 6 euros. Là il y a quoi? Ok. Ah s'il y a un petit côté FNAF Observation Duty. Ce grand homme est toujours devant la tombe. Je dois lui demander de partir. Ah oui parce que ça va fermer. Ok ok ok. Donc il faut qu'on aille parler à... Je sais pas comment on l'appelle. À Maurice. Des bisous.
Alors. Maurice. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards, and I have to lock the gate. Oula, je sais pas où il va, mais il est motivé. Hein. Il est rebou. Ok, donc j'imagine qu'il faut le suivre et du coup fermer le grand portail. Ok. Stylé le portail. Allez, des bisous. Voilà. Il avait l'air nerveux. A-t-il été bouleversé par mes paroles ? Je sais pas, mais en tout cas, il a l'air vénère. Hein. Je sais pas où il va. Il doit aller au Domino's, là. Il doit être vénère. Une petite pizza pour te calmer. Ça marche toujours. Ok. Bon, faut qu'on aille checker les caméras, nous. Un peu flippant, ouais. Ah, il y a un mix entre Frankenstein et Dracula, un petit peu. Ok. Donc là, il y a toujours un bug, je peux pas passer. À savoir pourquoi. Ok, les caméras. C'est full découverte. Hein. Je sais que j'ai un peu de retard, mais j'étais un peu en vacances. On a plein de jeux à rattraper. Alors. Ah, le petit réchaud et tout. Let's go. Allez, ferme la porte, ça caille. On a une petite télé. En vrai, on est bien. Et gardien de cimetière, ça doit... Putain, j'ai cru que c'était une chicha, c'est un fer à souder. Ok, on va couper... Parce que je veux pas me faire copyright. Bon bah écoute, let's go. Oh, stylé! Alors je peux rien faire, hein. Je peux pas faire gauche-droite ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux zoomer? Je peux pas zoomer. Ouh, c'est creepy ça. Oh mais c'est les nouvelles caméras Google avec réalité augmentée. Incroyable. Ok, il y a une petite fuite d'eau. Petite fuite d'eau. Oh putain. Yeah, ok, quelqu'un a cassé une vitre. Non mais attendez, c'est quoi ce cimetière? Moi j'ai pas signé pour ça moi. Ok, on a une petite fuite d'eau. Est-ce qu'on a nos objectifs marqués? Oui. Ok. Ok, donc il faut examiner le water pipe. Oh, je sens que ça va être une nuit mouvementée. Alors attends, elle est où la fuite? Attends, c'est moi ou il pleut que là-bas? Vous voyez la pluie là? Il pleut que là-bas. Il pleut pas ici. Regarde. Il pleut que là-bas. Ok. Là, il pleut. Ok. Alors. Ok, c'est un chien, calmez-vous. Ah, là. Oh, il a fait l'effort de mettre les caméras, ça c'est cool. Ok, faut suivre le tuyau. J'imagine. Trouver la statue de la mort. Je viens de débloquer un trophée, là. Trouver la statue de la mort. Avez-vous déjà entendu les cris d'un démon? Non. La statue de la mort? Qui c'est qu'il a vu une statue de la mort, lui? Oh, attendez, j'ai envie d'aller voir la fuite. Peut-être celle-là. Oh, putain, ça va pas la tête. Là-bas. Oula! C'est quoi ce gangbang de pierre tombale, là? Ok. Je dois fermer le réservoir d'eau, oui, j'avais compris. Ok. Voilà un cri du démon, ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, on va fermer la valve. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air jouable. Ça a l'air jouable. Il y a l'air d'avoir des moments un peu nanardesques. Qu'est-ce que je dois faire? Check CCTV. Attends. Mais non, mais je déconne, le jeu est cool. Le jeu est cool. Ah ouais. Calmez.
Ah putain, c'est ce genre de jeu avec des jumpscares comme ça. Je ne peux pas en croire mes yeux. Ok. Donc là, dans ma tête de streamer, j'ai un choix à faire. Soit je le joue premier degré, je joue acting, et je fais style, j'ai peur et tout. Soit on le joue second degré, et on se fout de la gueule du jeu. Il y en a qui vont râler en commentaire. Okay. Je vais faire un mix des deux. Ok, faut que j'aille checker les caméras. Ok, let's go. Donc j'imagine que ça va être ça, ça va être des allers-retours, on va checker les caméras, il va y avoir 2-3 jumpscares à droite à gauche. Et... Putain, le son est fort, attendez, je baisse le son. Okay. C'est dommage, tu peux pas détruire ton build-up aussitôt. Oui, c'est vrai. Ok. On va forcément avoir des jumpscares sur les caméras. Il y a un moment. On va voir un cadavre ou un truc comme ça. Les jumpscares, ils sont flippants dans le jeu. Ah, alors ça fait plaisir. Okay. Un cadavre a bougé. Ok, on a un cadavre qui a bougé. Alors j'ai un nouveau jeu là qui m'a été envoyé par le développeur, qui marche un peu dans le même style. Oula, elle fait un bruit bizarre cette porte. Ah ouais, fait un bruit bizarre. Où justement on doit checker des caméras et surveiller une base militaire russe. On testera ça la semaine prochaine. Ça s'appelle Aptus Cover, ça a l'air sympa. Hein. Alors attendez, le cadavre qui a bougé c'est ici du coup. Ok. Alors attends, est-ce que c'est ouvert? Parce que tout à l'heure c'était fermé. C'est ouvert. Ok. Ah, la caméra elle est là. On la voit pas mais elle est là, ok. C'est un peu random j'ai l'impression les trucs. Hein. Non mais attends, c'était nul! J'ai eu peur de ça, c'était nul! Putain, la laitière! Ok, oh là là, ok. Donc c'est jumpscare où le jeu prend le contrôle de ta caméra. Oh putain! Ok. Ok, là c'est l'autre pièce. Non mais attendez. La laitière, quoi. Mais je sais, Izzy, non mais calmez-vous. Je préfère dire la laitière, c'est rigolo. Regardez, il y a Mel Gibson là. Non, putain. Ok. N'entrez pas. Eh ben, moi, je fais partie du staff maintenant. Laisse-moi rentrer. Ok. Putain, il a même pas fait d'animation. Ouais, vite fait, quoi. Ok. Il faut que je retourne. Voilà, à la security room. Ok, ok. Bon, il y a un petit air de Mel Gibson, La Passion du Christ. Ok, ok, je vois le genre de jeu que c'est. Je vois. Ah, attendez, il y a une porte là-bas. Je ne peux pas l'ouvrir. Ok. Ok, on retourne à notre salle de sécurité. C'est quoi ça? C'est un chat? C'est un lapin? Ah non, c'est un crâne! Qu'est-ce qu'il fout là? Ok. Quelqu'un a perdu son crâne. Ok. Bah écoute, chacun voit ce qu'il veut, hein. Il y en a qui voient un bon jeu en démonologiste. Ah, attendez, téléphone. J'arrive.
Attends, mais ça nique les oreilles. Non, mais attends, c'est quoi ce jeu-là? Super. La laitière a changé de tête. C'est vrai? Et c'est fermé? C'est fermé! Je peux pas aller... J'irai voir après la laitière, ok? Je peux pas sortir, j'irai voir la laitière après. Ah, le mixage son de ce jeu... Ok. Ok. Il va y avoir un jumpscare. Attends, il y avait pas un truc devant la porte, là? Attends, je vais attendre que la caméra... Devant le portail, non? Ah non, c'est un effet d'optique? On dirait qu'il y a une statue devant. Il s'est cru dans Watchmen, lui. Ok, il y a un truc devant le portail. Un type se tient devant la porte, je n'ai pas besoin de lui dire d'y aller, il comprendra. Ouais, mais laisse-moi sortir, putain! Ok. Ok, je peux pas sortir. Je fais quoi? Faut que je re-regarde et il a bougé, c'est ça? C'était le fiasco, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on attend toujours le mode cauchemar de Dead Signal. Hein. Il a bougé. Il est plus là. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais je fais quoi du coup? Go back to the security. Ouais, mais j'y suis. Ça fait un moment que ça chauffe, ça. Faudrait peut-être faire gaffe, non? Putain, il y a même un truc buggé dans le mur, quoi. Putain. Ça a l'air d'être un jeu fini à la va-vite, ça encore. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je me couche. Comment ça se passe? Comment ça. Allô? La radio? Certainly, here is the news broadcast. Your last radio news reporter here, with a bitter piece of... Allez, tais-toi. Ok, le crucifix, non, je fais une prière, je fais quoi? Allô? C'était quoi? Non, c'était une goutte? J'ai vu un truc vite fait, attends. Il est toujours là. Première caméra, j'ai vu un... Non, c'était une goutte sur la caméra, non? Comment tu vas, le gnou? Ouais, ouais, tu peux me dire ce que je dois faire, Nono, là. T'as demandé, donc je te donne l'autorisation. Parce que là, je comprends pas trop ce que je dois faire. Donc il est là. Rester sur la cam du mec? Ouais, je sais pas. Il y a un réchaud allumé? Je sais pas. Je peux rien faire en fait. Regardez la télé. Non. Je crois que t'as raté un screamer. Ouais, ok. Faut faire une sieste. Ah, merci. Voilà, merci. Allez, plus de spoil. Faut faire une sieste. Bah, il aurait pu me le dire quand même. Putain, en vrai, le lit est dégueulasse. Hein. Oh, je dois faire une sieste. Bon, on ira voir la laitière tout à l'heure. Merci S3, merci beaucoup. Attendez. Je vais jouer? Oh, stylé! Putain, la pochette... pochette d'album de Metallica. Ok. Bah écoute, moi je vais vers le soleil, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers le soleil? Il a l'air un peu perché ce jeu, un peu, non? Là-bas, il y a un truc, regarde. Vas-y, on va aller là-bas, il y a un lampadaire. On va bien voir un truc.
Oula, il y a un trou. C'est quoi, c'est ma tombe? Ah d'accord. Bonjour, bonjour, bonjour. Et sinon, vous pouvez faire la même chose, mais sans les bruits immondes, en fait. Ce serait cool. Salut, Nick. Merci beaucoup, Ladie LS3 Romiche pour les bits. Merci, Xavier. Oh, mon ragoût! Oh, putain, c'était mon seul plaisir de la journée, là. Oh, une lampe torche, trop bien. Mon ragoût. Bon, je vais le laisser par terre, ça nourrira les fourmis. Hein. Les cafards, peu importe. On va regarder les caméras. Oh, avec le petit effet de nuit et tout, c'est stylé. Ok. Il y a le mec qui est toujours là à tous les coups. Ok, la voiture. Ouf. Ok, le mec n'est plus là. Et là, il n'y a rien. Ok, juste la voiture qui sonne. Ok, donc on prend la flashlight. Ça débloque la porte. Oh. Ah ouais, comment j'allume cette flashlight à la con? Avec la molette. Ok. Comment je l'éteins? Avec F. Ok. Ah, oh, super! Ah ouais! Ok. Heureusement qu'on a une flashlight, hein. Ok. Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait une ville là-bas. Okay. Alors, la voiture. Qu'on n'entend pas sonner d'ici, d'ailleurs. Ah si. Ah, la petite ambiance brouillard lampadaire de nuit, là, ça fait toujours son effet. Hein. Ok. Est-ce que je peux aller voir la laitière vite fait? J'ai besoin d'un outil dans l'entrepôt. Ah! Ah parce qu'il faut crocheter la bagnole. Ok, attendez. Est-ce que je peux aller voir la laitière? Ah, je peux pas, putain. Eh, faut arrêter ça en 2023. Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment automatiquement. Qu'est-ce que... Putain, mais les fleurs sortent. Oh, mais... Non, c'est la lampe tiers 2, c'est pas la tiers 1, parce que... C'est quoi ce truc rouge, tiens? C'est quoi ça? C'est une grenade? C'est un pot de fleurs. Le mec a mis une grenade sur la tombe de son pote. Ok. Hein? Et pourquoi le lock il est à l'extérieur? Fer à souder. Ok. Ah, un pied de biche. On va ouvrir une bagnole au pied de biche. Comment je le prends? Je peux pas le prendre. Ah, ça doit être pour plus tard. Ah, y a pas de son. D'accord. Ok, j'ai récupéré un outil. C'est marqué outil. Hein. Je sais pas à quoi il sert, mais... Ok. Ah, c'est vraiment... Je dois débrancher le fil de l'arme de la voiture, sinon la batterie de la voiture risque de s'épuiser. Ah ouais, c'est ce qui te... Ah, mais c'est pas ce qui me casserait les couilles en premier, moi. T'aurais pu le débrancher au lieu de le couper.
Qu'est-ce que je dois faire? Go back to security room. Attends, il est où le monsieur? Il est parti? Ok. Ok, ok, ok. Il va se passer un truc. Il va bien se passer un truc sur la sur le retour. Écoute, l'ambiance du cimetière est réussie en tout cas. Hein. Il n'y a pas de son. C'est un cimetière quoi, c'est mort. Il y a un grillon. Un grillon et un démon qui nous parle. Et des grenades. C'était quoi ce bruit? Ça venait de là, non? Ok. Ça ferait une jolie map pour un jeu. Ok. Bon, écoutez, on va retourner. Oh non, il n'y a plus de courant. Les fusibles ont sauté, trouver des fusibles. Non mais sortez la grille de bingo, mesdames et messieurs. Sortez-la. Sortez-la. Quoi? Attends, il n'y avait pas de bouteille de gaz tout à l'heure et maintenant il y a une bouteille de gaz empalée dans une bouteille. Non mais attends, c'est les nouvelles bouteilles de gaz Eco Plus, ça? Le mec rajoute des glitches au fur et à mesure du jeu. YouTube, toi... La radio a bougé. La radio a bougé, ok. Mon ragoût n'a pas bougé par contre. Et le chauffe-eau aussi. Ah non. Ah non, il y avait déjà un chauffe-eau ici, ok. Bon bah écoute... alors attends, c'est où le générateur? Fuse. Ah putain, les fusibles sont même marqués sur la carte. Donc je fais le tour du cimetière. Ok, c'est tout au fond à gauche. Ok, tout au fond à gauche. Là, je vais à gauche. Putain, j'ai l'impression d'être à moitié rebou, quoi. Tout est flou. Personne derrière moi. Hein. Ok. Ok, les fusibles sont ici pour une raison qui m'est inconnue. Ah, moi, je vois ça, j'y mets pas les doigts. Hein. Ce qu'elle m'a dit, mais faut pas déconner là. Hein. Heureusement que je suis électricien, ne vous inquiétez pas. Check de CCTV. Ouais, les caméras, super. On va fermer la porte, évidemment. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que... Il est même pas branché, ton truc à fusible. Enfin, il est posé sur un grillage... Ouais, d'accord. Ok, je vois le délire. Ok... On va checker les caméras. On va checker les caméras. La routine, ouais, oui, la routine. Mon ragoût, j'ai l'impression que c'est le seul truc qui a pas bougé. Ok. Checkons les caméras. T'as un inventaire? Non, j'ai pas d'inventaire. Si... Ouais, enfin, je sais pas si on peut appeler... Si, c'est un inventaire. La cabane au fond du jardin, ouais. Ça va être le titre de la vidéo YouTube. Ok. On va avoir un truc à un moment. Ou alors il va y avoir un bruit derrière moi. Oh putain, ils sont retombés. Ah non, mais attends, il y a un des sacs qui est vide. Je vais pouvoir aller voir la laitière du coup. Ok. Examiner le dissection hall. Ok. Ouais, en gros, c'est des allers-retours.
comment les corps auraient-ils pu se relever? Ah bah si c'est des zombies, baby, hein. Ok, donc on est sur un jeu aller-retour à script classique. Sauf que j'ai l'impression qu'il a juste acheté des assets, qu'il les a mis bout à bout. Ou alors un asset de cimetière. Il a fait ça en 2-2. 2-3 scripts. Un petit grillon pour le sound design. Et puis basta quoi. Ok. Maintenant qu'on sait à quoi on a affaire, on peut jouer. Ok. Alors. On ferme les portes, on n'est pas des sauvages. Alors attends. La laitière. Ah bah elle est plus là. Et c'était quoi alors la tête de la laitière, c'était quoi? Une pluie silencieuse, ouais. Bah je regarderai la VOD au pire. Ah oui, il y a deux sacs qui sont vides. Ok. Trouver un moyen de sortir. Ben la porte. Ok. Une clé devrait être par ici. You will not be buried here. Tu ne seras pas enterré ici. D'accord. Donc t'es en train de me dire que la porte s'est fermée toute seule et faut trouver une clé. Ok. Alors attends. Qu'est-ce qui a bougé ? Je cherche. Oh bah j'ai trouvé la clé. Ok. Attention vos oreilles. Il n'y a pas de clé dans votre inventaire. Mais what? Je viens d'en ramasser une. Ah c'est pas la clé de la porte peut-être. C'est la clé d'une autre porte. Ici? La chaufferie, la chaudière, la... T'appelles ça comme tu veux. Il y a une hache. Ok. Ok, 3 c'est la lampe. 4 c'est le briquet. 5 c'est la torche. 6 c'est la vision caméra nocturne. Ah oui, il a tout mis. 7 c'est la... Ok. Et pistolet en numéro 1. Ok, super. Et j'ai une hache. Il a même pas fait l'effort de mettre la photo de la hache dans l'inventaire, quoi. Ok. Il y a quelqu'un devant la porte. Il y a une statue. Elle y était, cette statue, tout à l'heure? Peut-être. Attends, faut que je fasse quoi? Parce que la clé, j'ai trouvé, à quoi elle sert? Est-ce qu'il faut que je casse un cercueil, peut-être? Avec la hache? Non? Attendez, la porte ici, peut-être. C'est moi ou l'interrupteur est même pas attaché au mur, si? Attendez, j'ai une hache. Non mais attends, j'ai récupéré une clé, c'est quoi ce délire? Oh, le troisième cadavre a disparu. Ok. Je vais peut-être remettre ma lampe. Oh, mon pipou. Attends, non, me dis pas que je pouvais pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a une planche en bois qui bloque l'accès. D'accord.
Ah oui, mais comme la fenêtre s'ouvre comme ça, ça fait sens. Ok. Ok. Ah, il faut que j'appelle Johnny. Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait dit de l'appeler dès qu'il se passait un truc chelou. Et il s'est passé un petit truc chelou quand même. Ah, il y avait bien une statue devant. J'ai pas rêvé. La porte est toujours fermée, très bien. Après, on peut pas en vouloir au mec, hein. C'est sa première nuit. Il a peut-être pas envie de péter la porte vitrée avec une hache et tout. Tu vois? Par contre, le jumpscare qu'on a eu à la fenêtre, le mec était grand. Hein. Il avait pas l'air de ressembler au grand qu'on a vu tout à l'heure devant la tombe. Mais le mec était assez balèze. Toujours ce grillon. Ok. Quand tu vas, Lucas, t'as la forme? Et tu fermes pas la... Hey. Oh, mon ragoût! Ah, ben, il a pris le tabouret, le réchaud. Il a même pris mes bouteilles de gaz! Il a rebougé la radio! Mais en fait, c'est un jeu des différences! C'est un jeu des différences! Oui. Ou en fait, c'est pas les caméras qu'il faut checker, c'est où t'es? C'est ta cabane? Il a même fait glisser le tiroir, ok. Salaud! Ma radio marche plus du coup! Ok. Non, Johnny, faut que j'appelle Johnny. Ah, c'est les mêmes bruits que dans This is a Ghost. Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? Attends, c'est un jeu turc. Can you... Et le mec a un accent russe? Oh, ou alors les, peut-être Jesus. Que le... C'est un accent russe, là? Je m'y connais pas trop en accent, mais l'accent russe, quand même... Tu sais, l'accent russe des méchants dans les films des années 90, c'est cet accent-là. Et on m'a dit dans le chat que c'était un jeu turc. Peut-être que les Turcs, quand ils parlent en français, ils ont un peu cet accent, je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Check the CCTV. Ah, d'accord. D'accord. Turc? Je sais pas, c'est peut-être un accent turc, hein. Tu trouves que ça fait turkish? Non, bah c'est moi, tu vois. Je connais pas du tout l'accent turc en français, donc... Ok. Il est peut-être, c'est un peu similaire au russe, hein. Je suis pas un professionnel. PTDR, t'as comparé l'accent russe au méchant. À la glandeuse, faut ouvrir les yeux, hein, et connaître son histoire. Et je veux pas être méchant, mais tous les films des années 80-90, les méchants, c'était les Russes, et ils avaient un accent en VF, quand tu regardes en VF, même en VO, hein, ils avaient un accent... Bah, c'est simple, regarde Die Hard 3, par exemple. Tu prends l'accent allemand du méchant, c'est insane. Et puis tu prends tous les films de Stallone, de Schwarzy et tout, enfin bref. Quand tu as le fameux accent russe caricatural, non mais bien sûr. Même dans James Bond, je crois. Et oui, dans les films américains des années 80, les Russes étaient les méchants. Tu sais quoi? Même dans Call of Duty. Indiana Jones, non mais voilà. Mais non! Si c'est l'asset du docteur que je pense, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est l'asset du docteur que tout le monde achète et met dans son jeu. Attendez. Bon, il est en train de déterrer un truc, je sais pas ce qu'il fait. No signal. Ah. Ok. Ah ouais, Call of Duty, les méchants étaient les Russes, la guerre froide, tout ça, mais c'est normal, hein. Les méchants, ça suit l'histoire, mesdames et messieurs. Hein. Pourquoi les Allemands sont méchants dans plein de jeux aussi, hein. C'est... Voilà. Apparemment, quelqu'un est en train de creuser une tombe dans le cimetière, faut que j'aille checker. Tu veux pas prendre une batte de baseball, un truc, là? Un tournevis, histoire de te défendre? Parce que bon, là, t'y vas un peu avec ta bite et ton couteau, et encore, le couteau, on l'a pas vu, hein. Ta bite non plus, d'ailleurs. Pardon, excusez-moi.
Ah oui, on a la hache. On a la hache, mais on peut pas la prendre. Ah oui, c'est vrai qu'on a une hache. Autant pour moi. Attendez, il était là, je crois. Ah bah, il est plus là. Bah attends, c'était ici ? Non, c'est moi qui ai bigleux. Ça doit être de l'autre côté. Là, c'est là qu'il y avait un feu. Ok. Bon, il est plus là. Il est plus là. Il a creusé cette tombe. Et il a fait un feu aussi. Hein. Il n'y a rien qui vous choque là. Vous voyez, il n'y a rien de choquant sur votre écran là. Les fusibles, ils étaient pas là tout à l'heure. C'était même pas... Ils étaient là, et c'était même pas la même boîte à fusibles. Il a même changé le disjoncteur, le mec. Mais il a pas juste changé de place. Il a changé le disjoncteur. On parle souvent du service japonais, comme quoi, tu vois, et tout. Mais attends, le service turc, il est incroyable. Tu leur demandes rien, les mecs te changent le disjoncteur, quoi. C'est un jeu TGCM. Je sais pas ce que c'est TGCM. Ça doit être un truc que t'as inventé encore. Ok. Alors attendez. Ah ouais, sacré tombe quand même. Hein. Oula, ça sent le jumpscare. Look what devil has do. Regarde ce que le diable a fait. What the fuck? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce cimetière. Je dois quitter ce cimetière le plus vite possible, puisque quelque chose ne va pas dans ce cimetière. Oui, j'ai décidé de le faire second degré. Hein. Le premier degré, c'est bon. C'était la première partie de la vidéo. Maintenant, on sait que c'est un jeu claqué. Okay. Oh, vite! Je dois me dépêcher de trouver la sortie. Escape from the... Ok, échappez-vous du cimetière. Ok. Il a même changé la porte de l'église. Non mais attends, hey, le service après-vente turc, il est incroyable. Ils ont changé... Elle a changé de couleur. Ah non. Si. Ah non, c'est avec l'angle et la lumière. Attends. Ah merde, je suis toujours bloqué ici. Non mais c'est... Attends, c'est une dinguerie. Ah oui, c'est l'angle de la lumière. Ok. Mais non, c'est pas l'angle de la lumière parce que... Ah si, c'est ça. Parce que quand je suis là, elle a l'air grise. Ok. Ok, ok. Attendez, il va se passer un truc. Étais-je censé être un gardien de cimetière ou un futur club fantôme? Je ne resterai pas ici même un instant. Ok. Donc évidemment c'est fermé. Voilà, il y a... Voilà. Il y a un cadenas. Merde, la serrure a été changée. Ouais, elle a pas été que changée là. C'est Superman qui a fait ça. Oula. Je vous rappelle que cet homme a une hache dans les mains. Hein. Putain, on s'est retrouvé dans un culte ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Go back to the security room. Mais j'ai un pied de biche là-bas dans le... Ah, je sais pas si c'est possible de casser une chaîne avec un pied de biche. Peut-être à force de taper dessus. Ok. Alors ça se trouve, tout est fait exprès. Hein. Ça se trouve, c'est un cauchemar. C'est pour ça qu'il y a des petites choses qui changent, la porte qui change et tout. Tu vois, c'est des sortes de... Comment dire?
Ça peut être des petits indices pour te montrer comme quoi t'es dans un rêve, tout ça. Ça, en vrai, ça, c'est smart. Ok. Ok. J'imagine qu'il faut que je check les caméras encore. Me dis pas qu'il veut faire une sieste, non? Le téléphone, il marche toujours pas. En même temps, les fusibles sont pas branchés. Un cadenas, c'est pas si solide que ça. Bah ouais, je me dis, avec le pied de biche ou la hache, il devrait pouvoir le péter. Hein. Depuis la sieste? Peut-être que depuis la sieste... Attendez, peut-être qu'on crache dessus, mais ça se trouve, c'est une masterclass. Peut-être que depuis la sieste, en fait, on s'est pas réveillé, on est toujours coincé dans notre rêve. Eh ouais. On sait pas. J'avoue que le coup de la porte, c'est ouf quand même. Oh shit. Ok. Oh, ils vont nous faire rentrer dans l'église du coup. Nice. Ok, il y a toujours le cadenas ici. J'ai l'impression que le mur a changé de couleur. Nos signaux. Ok, faut qu'on aille dans l'église. On aille dans l'église. Il y a quelqu'un dans l'église. Oui. Je suis étonné qu'on se soit pas pris de jumpscare en ouvrant la porte encore. Ok. Ok, ok, ok. On va enfin pouvoir aller dans l'église. La tombe, attends, laissez-moi aller voir la tombe là. Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que c'est toujours un... Toujours, ok. Toujours, toujours. Pourquoi il y a toujours un bruit métallique quand tu sors des caméras? Je sais pas, je sais pas. Problème de fabrication, peut-être. Je reviens pas qu'il ait mis... Non mais attends, la porte... Non mais attends, la porte est mise à la zeub! Attends. Mais c'est ça, la porte elle est mise un peu à la zeub là! Les couleurs matchent pas, si? C'est même pas droit, regarde! Après on dit que c'est moi qui ai mauvaise langue. Et après on dit que c'est moi qui ai mauvaise langue. Quand je dis que les développeurs ils s'en battent les couilles de vous et qu'ils vous volent votre pognon. Ah putain. Oh, c'est la plus... Ok. Putain j'ai réussi à... j'ai réussi à ouvrir une porte fermée hein, quand même. Hein. Ok, je regarde, hein, je teste la physique. Ah, bon. Allô? 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 Y'a quelqu'un? Ok. J'ai essayé de faire l'écho. Ok. Ça va, chat, vous êtes pas décédé? Ah, attendez, il y a une note. Alors, attends. Nous, les enterrés dans ce cimetière, avons un message pour vous. Depuis des années, un démon a été enterré ici et il tourmente nos âmes. Maintenant, tu es condamné à détruire ce démon dans ce cimetière et à nous sauver de ce tourment. Sinon, une mort brutale t'attend. On se fait bully par des fantômes, par des âmes perdues. On se fait menace, on se fait menacer quoi. C'est pas gentil ça. Attends, j'ai pas compris. Attendez, on a affaire à une entité qui a un seul pied droit et qui marche... Attends, j'ai pas compris. Il a trois pieds? Attendez, c'est quoi ça là? Je me demande où je dois aller. Putain, je comprends rien. J'espère vraiment que c'est un rêve. Hein. C'est la troisième jambe, ouais, j'y avais pensé, mais...
Attends, maintenant que c'est ouvert, je vais tester le truc. Je ferme. Et je peux pas ouvrir. Ok, c'est peut-être le truc le mieux fait du jeu. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Suivez les empreintes. Ah. Ok, ok. Ok, on suit les empreintes. Ok, les empreintes. Ok. Ok, ça va dans le store là-bas. Ah non. Ah non, ça va sur une tombe. Ah, ça va nous montrer la tombe du démon peut-être. Oh putain, j'avais même pas vu qu'il y avait un... Comment t'appelles ça, un mausolée là? Ah, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bon, bah écoute, let's go. J'ai besoin d'un outil pour casser la serrure. Ah, donc là, voilà, là, t'as besoin du pied de biche. Hein. T'aurais pas pu y penser avant. Hein. Ok. Ok, ok. Mais le pied de biche a bougé. Il était là avant, non? Je suis persuadé qu'il était ici. Pardon. Excusez-moi. Chat, il était... Ouais, il a bougé, on est d'accord. J'entends un bruit, c'est bizarre. Merci beaucoup Kiamou, 17e mois, merci beaucoup. C'est un jeu des différences, ouais. Mais en fait, en quoi... Je comprends... Il y a un truc que je comprends pas. Expliquez-moi, hein, je suis peut-être con, mais... Le but du mec, c'est quand même de partir. Et il peut pas, il y a un cadenas au truc. Et là, on nous met un cadenas. Il peut casser ce cadenas, mais il peut pas casser l'autre. Alors oui, je sais, on a trouvé une note, il faut aider les âmes perdues, machin mon cul. Mais, des bisous Mélodie. Mais... Là, il pense au pied de biche et tout à l'heure, il n'y a pas pensé, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Alors, je ne sais pas comment tu fais, mais... Ok. Ils m'ont conduit ici, il doit avoir quelque chose d'important. Ok. Oh, nice. Alors ça, j'aime bien le petit côté cave et tout, là. Ça, c'est cool. Je sais pas, c'est peut-être son premier jeu, c'est vrai. C'est pas si terrible, c'est vrai. Je fais des gros Smiths. Putain, j'ai cru que c'était un chat. D'ici, je croyais que c'était une statue de chat. Ok. Bah dis donc, la taille du truc, tel or. Ok. Et, oula. Le point positif, c'est que notre lampe torche. Ok. Au moins, elle nous fait pas défaut. On n'a pas une histoire de pile ou je sais pas quoi. Ok. Jones. Do you want a burger with Dr. Pepper? Ok. Graphiquement, il est pas mal. Si c'est un asset acheté, graphiquement, il n'y a rien. Quoi. Enfin, c'est l'artiste qui a fait l'asset qu'il faut féliciter. Mais je le connais pas, cet asset du cimetière.
Bonjour. Ok. Est-ce que c'est le démon qu'on doit combattre, peut-être? Johnson. En fait, il a pris les noms les plus connus aux États-Unis, il les a calés là, quoi. Oh, Long Johnson. Ok. En fait, c'est un peu frustrant parce qu'il y avait tellement mieux à faire. Avec un peu plus de travail, t'aurais pu rendre le truc vraiment intéressant. C'est quoi ce level design? Ok. Il voulait une Oli, peut-être, ouais. Qui n'en veut pas? Okay. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que... J'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout là? Et de deux, comment elle tient debout? Ok. Ah, laisse-moi deviner, c'est ici qu'il y a un démon. En vrai, c'est stylé, cette salle, elle est stylée. William, or Brighton Family Youngest Child. Ok. Est-ce que je peux y aller? Putain, mais fais un effort, quoi. Non, mais... En fait, le truc, c'est... Je veux bien excuser quelqu'un, tu vois, c'est son premier jeu et tout. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune logique. C'est que là, t'as une porte en métal. Le mec te met un bruit de porte random, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ce petit truc comme ça. Tu vois, par exemple, Solo Paf qu'on a fait. J'ai des clés à vous faire gagner. Qui est le premier jeu d'un mec fait tout seul de Lyon, là. Ok? Allez voir la vidéo. Le jeu, évidemment, il est pas excellent. Évidemment, il y a des jumpscares éclatés. Mais il y a des soucis du détail. Tu vois, il y a un minimum de travail. Il y a quelque chose. Il y a une logique. Là, c'est... Le mec, c'est pas pris la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autant j'excuse, tu vois, quand c'est ton premier jeu... Autant des fois, tu vois. Merci beaucoup pour le claquage d'Oli, merci énormément. Tu dis ça parce qu'il est de Lyon? Ah bah bien sûr. Évidemment que je dis ça parce qu'il est de Lyon. Parrington, Williams. Ah, attendez, allons voir les Williams. C'est dommage parce que tous ces petits détails, tu vois, ça te sort du... Moi, ça me sort du jeu. Et le jeu en soi, il y a des bonnes... Il y a de l'idée, tu vois. Le coup des caméras dans le cimetière, gardien et tout, c'est cool. Ok. Oh! Ah non. Ok, je crois que ça avait disparu. Ça aurait été stylé pour le coup. Oula. Un seau. Il est suspect ce seau. Et comment ils ont fait passer? Comment ils ont fait passer ça à travers ça, quoi? Ils ont fait les murs après? Oh merde, j'avais pas vu. Bah écoute, si tu te caches, mon gars, t'es mal caché, là. Ok. Donc là, j'imagine qu'il fallait venir là pour un petit script, ok. Ok. Et bah dis donc, il va être fleuri, le TikTok de review, hein. Mais du coup, ça a débloqué quelque chose Je visite, hein. Je me dis, j'ai peut-être loupé un truc. Non. Ouais, je mets le chat. Le chat est trop en mode troll pour que je laisse passer ça, YouTube. Il faut que tu vois le chat. Parce que des fois on dit que moi je suis dur, mais je lis des trucs dans le chat des fois. En mode, oh, même moi je l'aurais pas tenté. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver l'underground tombe. Ah, faut juste trouver la tombe du démon. Mais on l'a trouvé, mais c'est fermé en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Vous avez une idée? À mon avis, je dois pas ouvrir une tombe. Elles ont pas l'air de s'ouvrir, les tombes. Les statues, j'ai regardé vite fait dans leurs mains, y a rien.
Pied de biche, il est cassé. Je pense qu'il est cassé, ouais. Là, à mon avis, il doit avoir un truc ici que j'ai pas vu. Un truc au mur ou... Si, si, elle s'ouvre. Ah, ok, donc il y a une tombe qui s'ouvre. La tombe où il y a le démon, j'imagine. Enfin, où il y avait l'ombre, là. Alors, attends. Ah, il fallait cliquer ici précisément, quoi. Ok. Ok, ok. My bad. Ah, c'est une bibliothèque. L'histoire de l'Allemagne. C'est intéressant, l'histoire de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'art. Ok. Je cherche pas à lire. Qu'est-ce qu'on a ici? Karl Kazet. Ok, connais pas. Qu'est-ce qu'on a? Elias. Durant ses 60 ans de vie, il a passé toute sa vie à essayer de rencontrer le diable. Et un jour, il a été possédé par le diable et a commencé à tourmenter et à massacrer des gens. Après un certain temps, il a été tué par la police. Son corps a été enterré dans une tombe là, souterraine où on est. Encerclé par des croix et un sceau, tu vois, béni. Elias, ok, était très sage. Et très... il avait le cœur sur la main, tu vois. Mais le diable a pris son corps et son âme. Ok. Bah écoute, on va prendre la clé. Hein. Vite, faut aller ouvrir une porte qui n'a pas de serrure avec une clé. On est d'accord que la porte n'a pas de serrure. Hein. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Eh, attends, je viens de tilter. Je viens de tilter un truc. Attendez, attendez. La clé, c'est le livre que tu trouves dans Phasmo, l'histoire de l'Allemagne, c'est vrai? Ok. Ah oui, dans la bibliothèque, c'est vrai. La clé que j'ai trouvée tout à l'heure, on s'en est jamais servi. Je viens de tilter. On s'en est jamais servi, chat. Salut, M. Merci pour les follow, merci beaucoup. On est d'accord? Ouh, attendez, c'est stylé. Ça, par contre, c'est stylé, tu vois, j'aime bien. C'est complètement irréalisable, mais c'est stylé. Avec les petits effets de lumière et tout. Les bougies sont allumées comme si quelqu'un était là aujourd'hui. Ok, je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre le système d'accroche. Ok. Stylé. C'est quand même stylé. Ok. Là, il y a une hache. Oh, j'ai pris la hache. Ok. Ah, ça va être pour briser les chaînes. Mais pourquoi je libère... En fait, je comprends pas pourquoi je libère le démon. Ah, pour le tuer, peut-être. Peut-être qu'il faut que je le libère pour le buter. Là. Oh, du premier coup! Donc la chaîne en carton de tout à l'heure, j'ai pas réussi avec un pied de biche. Et là, du premier coup, je te... Ah, la serrure était de l'autre côté, my bad. Ok. Oula, je fais de la poussière. On va attendre qu'elle se dissipe un peu. Ah non, elle se dissipe pas. Ok. Ah si, ah non. Y a pas de son. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais attends, on dirait le mec qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elias. Ah ok, c'est une sorte de papier pour que le démon sorte d'Elias, ok? Elias, puisse le Seigneur te pardonner de tes péchés et rest in peace. En gros, voilà. Et là, il se passe... J'ai un briquet. J'ai un briquet qui sort de je sais pas où. No lighter. Derrière le chat, regardez, c'est marqué no lighter. J'en ai un dans la main, là. C'est un tier 3 en plus. Ah, faut lui foutre le feu! D'accord. Ok. Exit de tombe.
I am Lara Croft. I am Tomb Raider, bitch. Comment je range mon briquet? Je peux pas. C'était trop difficile de coder ça. Ok, c'est parti. Jumpscare Land, mesdames et messieurs. On va sortir. Le premier qui sursaute, il a perdu. Au nom du Seigneur. Au nom du Père. Du Fils et de la Sainte Olie. Démon. Je te chasse de mon système. Toute cette taurine. Tous ces sucres. Tous ces produits chimiques présents. Dans toute cette Red Bull et cette Monster que j'ai bu durant toute ma vie. Je te chasse. Alléluia, mon frère. La Sainte Olie, sans sucre ajouté, arôme naturel, tu ne m'auras pas, démon du marketing. Mais attends, mais je suis pas venu d'ici, si? Oui, c'est moi, Seigneur. Je viens de claquer ma Olie avec le code Mr. Tibout. Accepte-moi parmi les tiens. La Sainte Olie, regardez, elle m'emmène vers un ciel invisible. Je suis libéré. Claque ta Oli, t'as le lien dans la description. Ok, c'est une cinématique. Ah non, c'est pas une cinématique. Et j'ai plus mon briquet. Ah, et je sors de là. Ah. Attends, il y a une lampe torche par terre. Je ne peux pas la récupérer. Si. Donc maintenant, j'ai une lampe torche. Mais j'avais déjà une lampe torche. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'en ai deux. Au cas où la première tombe en panne, j'en ai deux. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je retourne à la security room. Ok. Chat, calmez-vous. J'ai peur. Où suis-je? Ok, je suis là. J'ai l'impression que la nuit noire devient encore plus noire. J'entends pleurer là-bas. Je devrais aller vérifier. Si on avait été en groupe, on se serait séparés. Attendez. Jeune dame en détresse. Il est mon devoir. Il est de mon devoir d'aller là. C'est une nonne. Madame. Il est interdit d'aller dans le cimetière la nuit. Madame. D'accord. D'accord. On est d'accord que quand je suis rentré dans le mausolée, il y a toujours le cadenas d'ailleurs. Hein. Il n'y a plus les empreintes. Il n'y avait pas de tombe ici. Hein. Ok. Je suis refait, on arrive à trouver toutes les différences. Ok. Go back to the security room. Super. T'as pas envie de voir le chat, YouTube. Crois-moi que t'as pas envie de voir le chat. Ils sont en fire, là. Allez-y. Okay. Oh mon dieu. Il a frappé. Ils ont rechangé les portes. Vite, allons voir le panneau électrique. A-t-il changé? Oh, les bougies s'allument toutes seules. Le panneau électrique n'a pas changé. Alléluia. Merci. Ah, parce que vous rigolez, mais moi je dois vendre cette vidéo à YouTube. Je dois faire cliquer. Je dois appâter le client. Comment tu veux que j'appâte le client avec ça, moi? Sans faire un titre putaclic. Ok. Je suis rentré dans ma cabane. Vite, checkons les caméras de sécurité. La voiture? What? Mais attends, regardons un peu le truc. Regardez comment il tient sa pelle. Non mais attends, même l'animation quand il creuse, elle est éclatée. Le cercueil que t'as vu, c'était le tien si tu purifies pas le méchant démon. Ah, peut-être, ouais.
Ok, on a tout en même temps. Soit on a tout en même temps, soit ils ont oublié de l'enlever, quoi. Ok. Ouais, on a... Putain, je le savais, c'était lui depuis le début. C'est Frankenstein depuis le début. Ok, en fait, on a toutes les anomalies en même temps. Ok. Ok, ok. Ok. See you in hell. On se voit en enfer. Et là, je me retourne, c'est la fin. Devil does not burn. Le diable ne brûle pas. Ah bon? Ok, ok, ok. Quitter cet endroit. Ok. Ben ouais. Ah, le lock a disparu de la porte d'ailleurs. Ok. Il est temps de prendre mon fusil à pompe. J'aimerais trop. Comment je pars? Alors attends. Attends. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ok, je recheck vite fait les caméras au cas où. Je me dis j'ai peut-être loupé un truc. Non, ok. Ça, il faut retourner ça. Non. Je peux pas... Attends, elle a poignée, elle est... Je peux pas ouvrir la porte. Est-ce que je peux sortir par la fenêtre? Oui. Ok. Ok, ok. J'enlève le chat. Full immersion. J'ai pensé à la petite sieste. Je me suis dit c'était peut-être le bon moment. Ça doit être la fin, je pense. Pas de flashlight. Où suis-je? Suis-je mort? Ça c'est stylé, tu vois. Ça c'est stylé. Ok. Il y a une ombre là. Ok, un feu, il y a eu un feu. Ça doit être cette tombe là qu'il faut voir. Ça doit être la mienne, non? Attends, je dois faire quoi? Ok, il y a un mur invisible. Ah, ok, je l'ai ouverte. Et je saute dedans. Ok. Ouais, mais on a vu le fond en fait, donc... Merci beaucoup, Lord. Ouais, c'est un peu un mélange de bonnes idées et de trucs un peu... Ah! Ah, mais je suis toujours dedans! Ah, ok, j'avais pas vu. Oh, stylé. Ok. Oh, mais non. Oh. Attends, what? Ça, c'est stylé. Des deux côtés. Ah, il y en a des deux côtés. Je suis protégé par la Saint-Oli, c'est bon. Merci énormément pour ton claquage. Merci beaucoup. Ah, attends, cette fois, je regarde la porte, voir si on a une animation ou un truc. Ok, c'est une porte qui se lève. Ok. Putain, on y voit que dalle. Et limite, le seul moment où on a besoin de flashlight, on en a pas, quoi. Je te dis, on est en plein cauchemar.
C'est pour ça toutes les différences depuis le début. Attends, il n'y avait pas de lecteur cassette tout à l'heure? Ok. Faut qu'on trouve une cassette. Voilà. Ah, une lampe torche! Je peux pas la prendre. No signal. Ok, no signal. Et peut-être que je suis mort. Hein. Ça ferme la porte. Ok, attendez, attendez, attendez. Mais joue la cassette. Ok. Mais non, allume. Comment je mets play? Ah, ok. Mais non, ça l'a éteint. Oula, le traducteur qui... Ah, c'est ça que t'essayes de traduire, Mokoko? Je comprends pas. Clic droit. Ah, clic droit! Mais attends! Ah merde, je croyais que j'avais déjà mis la cassette. J'avais pas déjà mis la cassette? Non, c'est moi. Ok, c'est ma faute. Ok. Je vais pas me servir d'un magnéto. C'est quoi un magnéto? Ça fait trop longtemps. Ah d'accord, il y a plus de sous-titres. He realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. Donc là, ça raconte l'histoire de ce qu'on vient de vivre. The guard believes them and burns the body of the demon-possessed man, but he didn't know that the spirits are not visible. Pas obligé de spoiler. And everything he saw was of demonic nature. Now the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Ah. On doit mourir, apparemment. On doit mourir. Il y a même un épisode de Costaventure, ouais, c'est ça. Attends. Donc, on doit mourir. D'où une de mes phrases préférées de l'histoire du cinéma. Et je déconne pas. Hein. Je crois que c'est dans Tonnerre sous les Tropiques. Non, ou dans... Non, c'est dans Jésus 2. Pour survivre, il doit mourir. Je crois que c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Pour survivre, il doit mourir. Cette phrase, elle est incroyable. Don't look it up. Ne le regarde pas. Ben ouais, ok. Pas de soucis, je regarde pas. Il y a plusieurs fins ou pas? Ah, j'adore les trucs qui te disent ne regarde pas, mais t'es obligé. Bonsoir. C'est quoi cet anglais éclaté? Normalement, on est d'accord qu'en anglais, c'est don't look it up. C'est pas don't look it up. C'est don't look at it or don't look it up. On est d'accord? La vraie question, c'est y a-t-il une fin? Tu vois, je t'ai dit, YouTube. Le chat, il est pire que moi. Oh putain. Don't look up. Non, don't look up, c'est ne regarde pas en haut. Ça, c'est différent. Là, ils disent ne regardez pas le truc sur le lit. Donc, c'est don't look it up ou don't look at it. Ok, donc même la traduction a été éclatée. Après, c'est pas été. Le mec, il est pas anglais. Il parle pas anglais. Bon, ça. Alors, on est obligé. Hein. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis obligé de regarder. Hein. J'ai pas le choix. Et donc là, ça a dû faire un truc. Ok, ça a changé le... Ah, non. Et écoute, ça fait rien. Putain, oh, le toit n'est pas aux normes. Hein. Ok, les caméras. Ok, j'ai même plus accès aux caméras. Ah si. Mais d'ailleurs, cet ascenseur là qu'on voit sur les caméras, on le voit même pas pour de vrai. Qu'est-ce que je dois faire? Téléphone, flashlight. Je dois faire quoi, chat? Comment tu vas? Point d'exclamation info. Pourquoi point d'exclamation info? Des fois, vous sortez des commandes, je sais pas d'où vous les sortez. Ah, tu veux le jeu? Point d'exclamation jeu. Furious, comment tu vas? Je dois faire quoi, chat? J'ai loupé un truc. Ah, y a pas de X. Tu peux pas le tourner? Mais non, mais je voulais regarder derrière, mais je peux pas. Je peux juste faire ça.
Je peux pas le tourner, je peux... Lève la tête. Ben oui, je lève la tête, super. Dodo, non ? La fenêtre... Vous avez pas une idée ? Il y a des gens qui ont fait le jeu dans le chat, vous avez pas une idée ? Y'a rien. Y'a rien. La note, c'est pas pour la VHS. Mais la VHS, on a déjà regardé. Faut qu'on la regarde encore. Hello dear viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security. Non, non, on l'a déjà vu ça. Je comprends pas. Caméra de surveillance, faut regarder. Mais j'ai déjà fait, ça a rien fait. Regarde, je clique dessus, ça passe rien. Regarde. Tiroir en dessous de... Tiroir en dessous de la télé. Y a pas de tiroir en dessous de la télé. Ah, c'est vrai qu'il y a des tiroirs en dessous de la... Ah si, en dessous de la télé, c'est vrai qu'il y a des tiroirs. Non, bah écoute... Comment tu vas faire, Lucie? Je regarde. Normalement, tu lis le truc et tu lèves la tête. Et ça... Ah, il fallait cliquer au-dessus. Je sais pas, j'ai cliqué, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Putain, même l'homme jumpscare, ils sont mal foutus, quoi. Ok. Ok, ok. Alors, la petite table est de retour. Mais le réchaud Moragou et la bouteille de gaz ont disparu. Ok. Ok. Les caméras, tout va bien. Je suis sûr qu'il s'est rien passé en fait, c'était tout dans ma tête. Du coup c'est du génie en fait. Toutes les différences qu'on a vues, c'était fait exprès. C'est justifié. Regardez, il y a le père à l'entrée. On le voit là, il nous attend. Il rentre pas dans son cimetière évidemment. Pff, attention. Attends, c'est une dinguerie ça. Attends, chat. C'est une dinguerie ce qu'on regarde là. Je dis rien, je regarde si vous avez remarqué. Y a pas une dinguerie là? Je dis rien. Je regarde. La caméra, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais non, mais la caméra! Je suis censé la regarder cette caméra! Pourquoi je vois la caméra dans la caméra? Là, qu'est-ce que ça fout là ça? Mais surtout qu'elle y était pas tout à l'heure! Duplication! Duplication. En fait, c'est un observation duty incompris, ce jeu. C'est un multi-angle, ouais, c'est ça. C'est un miracle. Ok. Les corps sont à leur place, il n'y a aucune trace du cauchemar de la nuit dernière, et c'est tant mieux. Mais oui, parce que ça n'existait pas. Le seul truc, en fait, qui a vraiment disparu, c'est mon ragoût. Je me suis fait baiser dans l'histoire. Je me suis fait baiser. Donc, on n'a pas de pistolet, pas de glow stick, tu vois, derrière le chat, là, en haut. Donc tout ça, en fait, ça, c'est des trucs qui sont implémentés. En fait, ça, c'est un moteur, je crois que ça s'appelle l'Aurore Engine 3. C'est pour ça que t'as le même menu et tout. Et donc le mec a juste pris l'Aurore Engine 3 et il a collé des trucs bout à bout. Et c'est tout, quoi. Ok. Ouh, attendez, ça sent la fin. Ça sent la fin. C'était la nuit la plus longue de ma vie. Cette nuit qui me marquera à jamais. À jamais. Des changements de porte, des fusibles qui sautent et un démon du nom de Kaiser Sosay. C'était la dernière fois que je devenais gardien de cimetière et ma première fois. Depuis ce jour, je prie la Sainte Holly tous les soirs et je prie pour que la mer n'ait jamais existé. Mon père. Merci de m'avoir ouvert les yeux, mon père. Comment s'est déroulée la première nuit de garde au cimetière Whispering Winds? Je pense que vous conviendrez qu'un gardien dans cet endroit revitalise l'esprit humain. Ouais, carrément, check, brother.
Eh, la olive, faut pas la sniffer, ma couille, hein. Faut la mélanger à de l'eau, hein. Bah vas-y. Ah, il est en train d'admirer la beauté. C'est vrai que c'est beau. Eh. Eh. Tu as raison. Regardez-moi cette vitalité. Les feuilles dans le vent. C'est magnifique quelque part. Tellement de vie dans cette peinture. Je vous comprends, mon père. Eh ben dis donc, c'est pas chier. Belle voiture. Regardez-moi ce taudis que j'ai, moi. Attends, on prend notre bagnole et on se casse? Sérieux? Salut? Et tiens, si je m'arrêtais au milieu de la route? Ah, j'ai plus d'essence. Oh putain, le démon, il a siphonné mon plein! Ah non, c'est moi qui conduis. Ok. Moi, j'étais prêt pour rester arrêté comme ça. Oui, il va y avoir un screamer sur la route, oui. Faut que je parle par-dessus parce que je vais me faire striker. Donc voilà, je suis obligé de parler. Donc voilà, si vous voulez claquer votre lit, le code évidemment Mr. T-Boot, hein, qui est une boisson énergisante, mais pas que, ils ont une gamme Ice Tea. 100% naturel, vegan, tout ça, il n'y a pas de taurine. Donc, si vous êtes diabétique, il n'y a absolument aussi aucun problème puisque c'est sans sucre. Voilà. Et puis j'adore le blues, hein. C'est vrai que le blues c'est sympa. Ouais. Putain. Ok. Mais dis donc, il y a une autoroute américaine pour aller dans ce cimetière paumé. Hey. Bah, écoute, si jamais YouTube tu vois cette vidéo sans son, c'est que je me suis fait copyrighter. Hein. Attendez, regardez. Il y a quelqu'un qui va sauter du pont. Sur ma bagnole. Non, ok, il y avait quelqu'un sur le pont. Ah, c'est plus moi qui conduis. Il va y avoir un truc sur la route. Ok. Ouh, alors attends, c'est un peu pompé sur The Batman, ça, non? The Batman slash Silent Hill. Vous êtes prêts? Même pas. Oh merde! Mon allume-cigare a pris feu. Non! Je me casse! Laissez-moi partir! Jeu de merde! Attends, qui c'est qui a une anti-break là? Je voulais lire le truc! C'était marqué, avez-vous déjà vu le démon, je sais pas quoi. Banger! D'accord, et ça se finit comme ça, c'est-à-dire que j'ai même pas le temps de voir le titre, ça se finit. Incroyable, attendez les crédits, non mais attendez, je veux voir combien de gens ont travaillé sur ce banger. Combien de gens? 50 développements, développés par Dark Phobia Game. Ouais, ils auraient dû s'appeler Dev Phobia. Ok, deux personnes de la même famille, ça j'ai jamais mon signe. Voice actor, ok. Ok. Donc là, à mon avis, le thème là qu'on entend, pareil, ça va être Copy Strike. Ok. Pour l'instant, je vois trois personnes. Hein. Ok. Ils ont été deux pour écrire ça. Hein. Ok. Oh là là, c'est dans le too much un peu, j'aime bien. D'accord. Eh ben écoutez, 6,80€. C'est un jeu indé? Oh non, à mon avis, c'est un triple A. Hein. Je crois que c'est une filiale de Rockstar. YouTube. Je peux pas te conseiller ce jeu, évidemment. Hein.
on va rester poli. Des animations éclatées, une histoire éclatée. C'est bâclé, c'est sympa. Je connais pas les assets, mais quand tu vois le travail du truc, il y a aucune chance qu'ils aient fait le cimetière eux-mêmes. Le cimetière, ça, c'est un asset acheté qu'ils ont mis comme ça. C'est pour ça que l'ambiance est réussie et tout. Parce que quand tu vois l'intention et l'attention qu'ils ont portée au détail qui est inexistante, c'est pas eux qui ont fait ça. Je peux pas te le conseiller, ce jeu-là, surtout à 7 balles, quoi. C'est vraiment pas ouf. Ça a duré combien de temps? 1h30. On a passé quand même un bon moment, mais en fait, ce jeu est trop nique la logique pour te sortir. Ça me sort en fait en permanence du truc. C'est trop nique la logique, c'est trop des allers-retours avec des vieux scripts et tout. Il y a rien qui fait sens, il y a des choses qui changent, on sait pas quoi. Enfin bref, je peux pas te le conseiller. Après, si tu l'as 1 ou 2 euros, pourquoi pas, tu vois. Mais c'était pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. De toute façon, si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, je pense que t'as à peu près le même avis que moi. J'ai bien rigolé, c'était sympa à faire ensemble, tu vois. Mais lâcher 7 balles et le faire tout seul chez toi en essayant de passer une bonne soirée, à mon avis, t'as mieux fait de lâcher un abonnement Netflix à 7 euros et te faire plus plaisir. Voilà. Pas de bingo du côté, évidemment, des viewers. Bah, parce que c'est pas non plus... c'est pas non plus ultra nanar, ultra nul, tu vois. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'était Graveyard Shift de Dark Phobia, que je ne recommande pas. Évidemment, YouTube, si jamais tu veux voir des bons jeux, il y en a aussi sur cette chaîne. Hein, on fait pas que des jeux comme ça. Nous, on teste tout ce qui sort. Et ben, je te conseille de t'abonner, évidemment. Et puis, je te conseille de venir nous voir sur Twitch si toi aussi tu veux t'amuser à faire des blagues douteuses, comme le chat juste au-dessus. Des bisous.